Et c'est à tout, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le Grand Prix d'Imola à Saint-Marin. Avec un joli drapeau finlandais d'ailleurs, en fond de. Vous, drapeau finlandais, tiens. Clic. Ah non, ça va, on a un peu de tout après. Un des drapeaux finlandais, j'ai l'impression. Donc, c'est parti. Alors, on va faire évidemment la qualification. Alors là, on va arriver dans le circuit qui va être un peu plus compliqué. Que beaucoup plus étriqué. On va voir au niveau des réglages. L'apéro, on va l'augmenter. L'apéro un peu plus haut. Rapport de vitesse, on va les baisser un petit peu. La suspension, on va la mettre un poil plus tendre. La partition anti-patinage, bon, ça, on va laisser par défaut. Et on va sortir des stands. C'est parti. Donc, c'est parti pour un tour. De mise en situation off. Le circuit d'Imola à l'ancienne, hein. Vous avez vu, il y a alors la chicane de fin, enfin c'est pas la nouvelle version bien sûr. Qui d'ailleurs je trouve est assez moyenne sans la chicane. Après c'est vrai que ça offre une opportunité d'ébassement un peu plus élevée, hein, avec le fait d'avoir une ligne droite beaucoup plus grande. À l'époque, il n'y avait pas ça. Mais on arrivait quand même à se dépasser. Alors, avant, il y avait ça, il y avait évidemment le tambourello avec l'énorme ligne droite. Mais bon. C'était toujours un circuit que. C'était pas un circuit qu'on avait pour les dépassements. Plutôt pour le talent qu'il demandait pour faire des tours dessus. Surtout ce nivelé qui est assez exceptionnel, hein, sur le tracé. Alors, attention à la chicane. Ah, il aura un petit peu. Un petit peu creusé cette chicane avec d'énormes vibreurs. On va voir un peu ce qu'on peut faire. Circuit. Une baisse de frein right ici. L'entrée de la dernière chicane. Voilà. Les petits sauts de. Petits sauts d'image. Et c'est parti! Un tour chronométré. Je vais être complètement dans l'herbe. Je pense que je vais aller plus vite pour ma chicane. Enfin, c'est pas un circuit où je vais avoir des facilités. Loin de là. En tout cas, ce début de saison est plutôt exceptionnel, hein. Vous l'avez vu, on est côté du championnat, il me semble. Et je prends 8 dixièmes sur mon toit au premier secteur. Alors, attention ici, voilà la chicane, bonne accélération. L'hélicoptère qui nous suit. Chicane de fin, attention à l'accélération. Sur la ligne. Troisième temps, on va essayer de faire un peu mieux. J'ai élargi un petit peu, mais c'est bon, ça passe. Bon, il y a du grip, hein, quand même, hein. Il faut tenter de profiter. Alors on accélère plutôt. On va voir si on peut gagner un ou deux dixièmes. Je pense que j'ai déjà gagné un peu de temps dans le premier secteur. Attention. Oh là, on va tirer tout droit. J'ai réussi à faire mieux. Alors cette chicane, ça va être le plus compliqué, voilà. Accélération. Alors j'ai pas lâché l'accélérateur, hein, quand on est allé dans l'herbe. Vraiment une
tourne très droite. Trop droite même. Ah, ah non, là on va sortir large. Ah, je pense que ça va pas être un beau. On va voir, mais j'aimerais un peu plus loin dans le dernier secteur. Non, pas d'amélioration. Ah si, deuxième temps. Deuxième temps, on améliore un petit peu. Bon bah écoutez, on va faire retour au stand. Et on va du coup faire une fin de session. Et on va redescendre à la 5ème position apparemment. Donc c'est Rubens Baculo hein, qui va faire le meilleur temps devant Michael Schumacher, Rampo Montoya 3ème, Ralf Schumacher 4. Avec Cabanoli 5, Raikkonen 6. Ça partira à 7ème, Arnaud Trulli 8. Mika Salo 9ème. Pas mal, Mika Salo 9ème avec la Toyota. 10ème, Felipe Massa. Vas-y, Kate Fred. Fisichella, Jacqueline, Panis, McNish, Jensen Button, Nadir Irvine, Takuma Sato, De La Rosa. Mon coéquipier qui est très loin, 20ème. Et les deux Minardi qui ferment la marche. Bon, bah écoutez, on va voir ce qu'on peut faire en ce début de course. Et en plus, il fait pas beau. Course, il pleut. Enfin, apparemment, il devrait pleuvoir. Alors du coup, s'il pleut, est-ce qu'on part en temps dans l'intermédiaire ou en pluie? J'en ai aucune idée, hein, sincèrement. Bon, il va se faire beau, on s'arrêtera au stand, hein, si vraiment ça pose problème. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Si je regarde les voitures autour de moi, j'ai l'impression qu'elles sont en slick. Bon, enfin pareil. Un petit peu, ouais. Elles sont toutes en pneus slick. J'ai du mal à voir les autres pneus, hein, mais bon, c'est pas grave. C'est parti. J'ai pas calé, mais ouf. Il y a McLaren derrière qui a essayé de changer ligne, qui a bloqué tout le monde. C'est dès le début. Au départ, on a perdu une position. On va perdre un petit peu de framerate hein, par rapport aux qualifications parce qu'il y a pas mal de voitures devant nous. Oh, attention, on a touché la McLaren, on va essayer de quand même d'accélérer mieux. Elle va avoir l'aspiration. Alors ici, pour dépasser, ça va être vraiment, vraiment difficile. Voilà, j'ai une perte d'image seconde. Ça va se tasser au fur et à mesure, mais... évident. Ouais, quand je vous dis que le jeu est compliqué au niveau de la framerate, c'est pas pour rien. Ouh, on a tapé. Vous avez vu, on a plié les longs de la McLaren. Alors mon élan avant, ça a l'air d'aller, mais alors lui... Chicane, attention. À l'entrée, à la sortie, et j'ai eu du mal à me relancer, du coup, on m'a frappé derrière. La Renault qui a peut-être essayé de me dépasser. Alors l'avantage, c'est que je vais pouvoir bloquer facilement, me défendre plutôt facilement sur les autres voitures. Puis ça, mais il a fait à l'extérieur. Allez, accélération, yes, on y est parti. On a la McLaren, oh là là, c'est William juste devant. Oh la paire de framerate à cet endroit, le coup de freinage. Ça devrait se tasser au fur et à mesure, hein, le FPS. Oh regardez, il commence à faire pas beau du tout. Aïe aïe aïe, je me rends compte qu'il y a un bug là. Il y a un bug. Comment on va faire? Ah oui. Ouh là là. Alors attendez, je vais essayer de résoudre ça. On se reprend juste après. Et donc de retour. Alors on est passé en mode hardware hein, pour la pluie. Donc ça va être un petit peu moins joli. Mais en tout cas, vous voyez, il pleut. Hein. Alors le problème de la pluie, c'est que là, malheureusement, avec les pneus qu'on a, ça va vite être compliqué. Passer comme ça. Bon, pour l'instant ça va, le grip est bon, mais je sais pas si ça va durer. Regardez le temps qu'il fait. Ah là, j'ai pas trop le choix, hein. C'est-à-dire, je suis obligé de garder ce paramétrage graphique pour que tout passe. C'est pas le réglage le plus rapide. Hein. Je vous l'ai dit, ce jeu est très très compliqué à gérer. Je vous avais pas menti.
Est-ce qu'on s'arrête maintenant ou pas? Parce que je sais pas ce que la piste va comment la piste va progresser avec cette pluie. Est-ce qu'il va faire d'un coup est-ce que d'un coup ça va être injouable ou pas? En tout cas, les IA, elles, continuent. En tout cas, pour le moment, on est toujours 5e, c'est déjà la bonne nouvelle. On va essayer de réaccélérer là. Bon, pour l'instant, je ne sens pas beaucoup de changement de grip, hein, honnêtement, entre les. Pluie, pas pluie. Alors, peut-être que quand il y a la pluie, quand la pluie va. Par contre, ça rappe énormément. Attendez, je vais refaire un petit réglage, je suis désolé. Bon, pas sûr que ça change grand-chose, mais bon, c'est pas grave. Ça change absolument rien. Bon bah écoutez, on va devoir faire comme ça, hein. J'ai pas vraiment le choix. Oh la vache. Ah, attendez, on y revient. Ah, c'est bon, on est de retour. Je pense avoir trouvé un réglage qui pourrait marcher, en tout cas pour la pluie. Ouf, j'ai envie de dire. Allez, donc on continue. Bon, pour l'instant, je sais pas si on va s'arrêter, je disais, parce que là... Ne marche bien encore. Oh non, 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 elle était à queue. Aïe, aïe. Il va falloir reprendre le plus vite possible. On est 7e. C'est pas bon, c'est pas bon. Oh là là là, et l'accélération. Bon, évidemment, toujours ici, ça va laguer un peu. 3 tours sur. Il peut plus. Il peut plus. S'il pleut plus, ça veut dire qu'on n'est pas forcément obligé de changer ses pneus, donc ça c'est cool. Maintenant on va essayer de passer à l'attaque. Oh ouais, il y a un petit bug graphique devant avec un petit peu de partie blanche. Oh, il a pas un problème d'être McLaren là, celui qui fumait. Oh non, oh la vache. Oh, je me suis fait surprendre complètement là, avec les deux pilotes McLaren. Alors, je vais laisser ce réglage dans le sens où, bon, certes, on voit qu'il y a un petit bug devant, mais comme je sais pas s'il va repleuvoir, je vous invite à être complètement surpris. Oh, popopo! Oh, freinage! Oh la vache! Allez, à l'accélération! Oh, on s'est touché. Et on perd du temps, regardez l'écart avec les premiers. Il y a eu un accident devant, non? Bon, le passage à l'intérieur c'est parfait. Non, c'était juste le ralentissement sur la chicane. Je regardais la map sur la gauche. Je voyais les deux voitures en plein milieu qui étaient au ralenti. Ouais, je peux avoir un bon rythme, mais il faut vraiment pas que je loupe. Et que je prenne trop les vireurs aussi, parce que sinon c'est un peu la galère. Il bloque souvent ses roues. Regardez les trajectoires qu'il a, il est complètement à l'extérieur à chaque fois. Après, c'est peut-être parce que je lui ai cassé son aileron, hein, c'est possible. Mais il est un petit peu plié devant. Est-ce que je suis à l'intérieur? Oui. Il a l'air de passer. Quel? Ah, évidemment, je vais lui redonner l'aspiration, donc on va faire attention pour pas qu'il puisse passer. On va regarder la trajectoire. Derrière. 5e. Et il repleut, ouais, donc j'ai bien fait de ne rien. La vache! C'était difficile la reprise. On va essayer de revenir sur les pilotes devant. Ça glisse énormément. Je fasse gaffe à l'extérieur sur ce virage parce que c'est là où ils peuvent me dépasser en fait.
attention. Pour l'instant, la piste s'est pas totalement détrempée, on l'a vu. Il n'y a pas plu assez pour que c'est un gros impact. En tout cas, les effets de pluie sont plutôt bien faits. Hein. Franchement, ça rend pas mal. Devant, ils perdent du temps. C'est par groupe d'équipe, hein, on l'a vu. C'est deux Ferrari, deux Williams, deux McLaren. Là, on va arriver sur le groupe de deux Williams. Perdent du temps, du coup, on se battant entre elles. C'est parfait. Ça me permet de revenir sur elles. Même si elles se donnent aspiration mutuellement, hein, c'est pour ça que c'est compliqué. Et là, on commence à voir les traces hein, derrière les voitures. Oh là là, au freinage, sur l'accélération. Oh, on s'est retouché. Il faudrait que je puisse passer de Williams hein, parce que là il ne reste plus que 4 tours. Ça me permettrait de gagner des gros points parce que. Ah, là, les phares sont allumés, ça veut dire qu'il va y avoir peut-être plus de pluie hein, sur la piste. Comme je vois que les Ferrari ne s'arrêtent pas. Ouh, j'ai mon aileron qui est orange, regardez. J'ai l'aileron cassé à l'avant hein, donc il va falloir faire vraiment vraiment gaffe maintenant. Et là, je suis fait surprendre au freinage par Montoya. Mais là par contre je peux pas m'amuser à leur rentrer dedans, ça serait vraiment trop. Ouais c'est bon, j'ai réussi à repasser mais. Il fallait pas que je touche trop fort une deuxième fois. Hein. Pour l'instant ça se passe bien. Ça se passe bien en slick hein, pas de problème. Et vous voyez au fond on voit les lumières hein, des deux Ferrari. Les effets sont vraiment super bien rendus. Hein. Franchement, je le redis, ce jeu est magnifique. Alors on peut pas en profiter entièrement parce que voilà, il y a des problèmes de ralentissement, etc. Parce qu'on n'est pas sur la vraie console. Mais en vrai, ils ont fait des efforts de fou. Je suis rentré juste devant. Et là malheureusement c'est le passage en. C'est le passage sur le vibreur. Et j'ai perdu une position. Ah c'est pas bon ça, parce que si je dois essayer de redépasser Montoya, je vais pas pouvoir être aussi incisif avec l'aileron avant qui est un peu cassé. Voilà, pour ceux qui devaient se poser des questions si j'avais vraiment les dégâts, vous l'avez la réponse. Hein. Il va nous rester 3 tours à faire. Et la pluie continue, hein, il n'y a pas d'amélioration. C'est bon. Je vais louvoyer, mais c'est parfait, ça nous a permis de passer légèrement à l'extérieur. Alors, est-ce qu'on peut rattraper les Ferrari? Si on fait pas de bêtises, c'est peut-être possible. Hein. Après, je vais pas m'avancer. On a un bon rythme, mine de rien. C'est juste le double droite à la remontée, là où je galère un peu. Ici. Voilà, là. Donnez-vous dans la saison 2. Merci, le coup de la licence qui va expirer. Vous le voyez pas, mais en gros, j'ai. Ah, ben voilà, ça m'a encore gêné. Merci Windows. Ouais, j'ai la licence qui va expirer et du coup ça s'affiche en grand. Du coup c'est magnifique, ça m'a complètement déconcentré. J'ai perdu la position, merci. Bon. J'ai toujours pas reçu la clé d'ailleurs, donc c'est magnifique. Enfin bon, c'est pas grave, on va essayer de revenir sur Montoya du coup, mais c'est génial, on a perdu position sans que j'ai pu faire quoi que ce soit. Pour monter sur les Ferrari là. Temps perdu, je tirais tout droit. Là, on va essayer de se protéger la position. Ouais non ça passe pas. Ça passe pas à Schumacher qui
qui va s'insérer à l'intérieur. Oh là, par contre, il commence vraiment à y avoir de la pluie partout. Ouh là 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 là. Bon, pas grand chose. Hein. Encore! Ah là, le coup de la licence, c'est un truc qui m'énerve parce qu'il affiche ça au moins 2-3 fois en l'espace de 2 minutes. C'est. Et encore, je joue à la manette donc ça impacte pas le maniement de la manette, donc ça va. Mais c'est désagréable. Là par contre, il est trempé. On va vraiment avoir une piste, piste ultra humide. Bon, faudrait quand même que j'arrive à remonter hein, parce que. Je peux être plus aussi rapide qu'elle, mais encore faut-il que j'arrête de faire des bêtises. Alors, accélération. Je peux pas, attention au freinage. Ah, ça glisse. Ouh, ça commence à glisser. Ah, là, la pluie a vraiment commencé à avoir de l'effet. Vous voyez les grosses gouttes maintenant. Hein, sur la caméra. Ah, il va me rester un tour. Je vais essayer de récupérer cette quatrième place qui sera quand même importante. Bon, gros freinage, voilà. La William, voilà. Et il y va à l'intérieur sur le Schumacher. Terrible. On est passé. Ah là c'est bon, je vais pouvoir le passer à fond. Nickel. Alors est-ce que Montoya on peut réussir à le dépasser dans les derniers. Dans les dernières encablures du Grand Prix, dans les derniers hectomètres. Voilà, maintenant j'arrive à les prendre les deux virages, mais c'est un peu tard. Elles vont casser, pareil. Allez, l'aspiration, ce Montoya. C'est le moment. Gros coup de freinage. Oh, on sort légèrement. Oh là, on est devant lui, il nous a repris la position. On va réaccélérer fort, juste devant lui. Oh là là là, ça va peut-être passer. Ouf, attention. Oh là, par contre, ça va être complètement à l'intérieur. Et le freinage. Oh, les deux Williams, on va serrer. Ouf, troisième. Eh ben. Ah, c'était une catastrophe, hein, ce dernier tour. Ouais, j'ai vraiment coupé le. Les deux Williams pour conserver ma troisième place. Bon, ils nous ont mis avant hein, les deux Ferrari. Un petit peu bien aidé. À part le fait qu'il y a eu la pluie quand même. Bon, du coup, on est troisième. Au championnat pilote, on perd de la pointe sur Schumacher, donc on est deuxième maintenant. Akilo qui est toujours troisième. Coulthard 4, Paul Montoya, Ralf Schumacher, Kimi Räikkönen. Toujours aucune surprise, hein, les trois équipes devant à part nous. Au championnat, on reste deuxième. Bon, ça c'est bien, hein, parce que de toute façon, c'est ça qui est intéressant, c'est de finir devant les deux Williams. Ça nous permettait de. Ben, ça nous permettait de conserver des points d'avance, quoi, tout simplement. Parce que là, bon, on a marqué combien 4 points, ils ont marqué 3 et 2, ils marquent 1 point de plus que nous, mais 1 point de plus, ça va. Et donc voilà, donc on va pas voir le replay, mais en tout cas, c'est une belle troisième place. C'est plutôt pas mal par rapport aux conditions météorologiques. Bah écoutez, on se retrouve pour la prochaine course, je pense que ça sera peut-être le Grand Prix d'Espagne, à voir, ou Monaco, vu saison 2. J'espère que ça vous a plu malgré les petits soucis techniques. Je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.